Il faut pas lui mettre la pression. Il préfère quand on apprend. Ah, regarde, il préfère quand on apprend comme ça, tu vois. Genre, regarde. Qui est le chef de la. Qui est le chef des families? Yo, yo. Tu vas me. Maintenant, tu me donnes son prénom. Bon, fais un effort, ça suffit maintenant. Alors, et 2 fois 2 ta gueule. Elle a bien médité cette connasse. J'ai rencontré Miguel ce matin, je suis déjà un vago, je suis habillé tout de jaune désormais, moi aussi le gangsta. J'utilise mon atout qui est ultime, j'ai l'accès à des camions, on va charger le cannabis. Ouais, la drogue ça me connaît, j'ai envie de tout rafler. Le petit roi est perché, maintenant j'ai l'axe en Mexique, ouais. On va charger le camion. D'accord. À l'entrée de la petite pièce là derrière moi. Ouais. Pour le couper à la max et tout charge dans le camion. D'accord. Et moi, il charge aussi, pero fait. Pardon. Faut que je fasse attention à quoi? Smoke weed every day. Oh la vache! Miguel, il est tellement puissant. Chez les vagos, c'est lui le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même avec toi ou bien mon frère Basile, je sacrifice. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait. J'ai volé le camion de Fab. Alors il veut se comporter et d'un coup il visait la toune, il voulait tuer des gens. Et juste signé chez Vagos Record. Vagos. Attends, non, tu m'as dit que tu faisais de la cocaïne, gros, y'a pas qu'une histoire de sang là. Non, oui, c'est vrai, bah en fait je le dépanne, mais comme je pensais que c'était ton ami, je pensais que c'était ok quoi. Après, tu sais, cocaïne, vin, finalement, même le sucre, c'est de la drogue, hein. J'aime assez ce petit ton décalé. Bagos. On est les plus folles de tout le quartier, personne ne peut nous tester. Les familles directement, ils finissent sous nos liesses. On va les enterrer tout, sous nous tout notre argent. Le cannabis, la cocaïne, c'est pour nous, tintin. Allez, viens ici, installe-toi à ta table si tu l'oses. Mais si t'es pas notre pote, t'es non de dose. Je voulais signer direct, c'est Vagos Record. Ouais. Oh. Vous pouvez m'expliquer le plan du coup? Non, c'est trop long, tu vas rien comprendre de toute façon. De toute façon, tu comprends pas un ordre simple qu'on t'explique 4 fois de suite, alors tu crois qu'on va t'expliquer les plans, Basile? Je sais plus qui je dois sucer du coup. Nous, quoi c'est, sucer? Non, il voulait dire, il savait pas à qui il devait s'excuser. Ah si, il y a une copine, elle me dit, il fait 1m60. Qui nous? 1m70, connaît les talents. Et 1m10, c'était gentil. Alerte à la cochonne! Mais quoi qu'elle ait compris? Il faut pas lui mettre la pression. Il préfère quand on apprend. Ah, regarde, il préfère quand on apprend comme ça, tu vois. Genre, regarde. Qui est le chef de la. Qui est le chef des families? Yo, yo. Tu vas me. Maintenant, tu me donnes son prénom. Bon, fais un effort, ça suffit maintenant. Alors, et 2 fois 2 ta gueule. Difficile de savoir qui est en tête pour l'instant. Et c'est bon, on est en train de rattraper les coureurs petit à petit. Attention. Aïe. La faute dramatique, un coureur est au sol. Mais ne vous inquiétez pas, on lui amène tout de suite une bouteille d'eau. L'eau, c'est important. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pastis. Non, s'il vous plaît. Oh, oui. Je sais pas si vous pouvez. Évidemment, le crash t'interdit. Oh, alors qu'on voit un petit peu de hors-piste ici qui fait une chute. Oh, la chute du premier, le numéro 1 qui a chuté, qui est obligé de récupérer son vélo. Il s'est trompé. Il a suivi les flèches. Le con, ce sont les flèches du circuit de voiture d'hier. Bouffon va. Me va aider, c'est Lenny, hein, le responsable de la famille Vagos. C'est Lenny qui est premier. Oui, c'est bien Lenny. Ouais, c'est bien Lenny. Gênez-le. Alors qu'on demande de gêner la première place, mais ce n'est pas truqué, évidemment, on ralentit. C'est bon, bien sûr que non. Est-ce que vous aviez des adversaires, peut-être que vous voulez taunter certaines remarques que vous voulez faire par rapport à certains concurrents qui vous ont lâché parfois même très tôt dans cette course? On se doutait que Monsieur Donatello allait s'arrêter dans son domaine pour essayer de refourguer sa petite piquette. Toi, tu es le numéro 2 de Lenny. Et moi, je suis le numéro 2 de Donna. Et on tue Denis et Donna, on est nous allons à tous les deux.
Ne comptez pas sur moi pour tuer Donna. Non mais écoute, on tue pas Donna, c'est juste que c'est... Toutou Lenny et tout Donna. Et termine la cocaïne parce que c'est important, il y a une grosse livraison. Pero après, faut, si tu veux, il t'aide à faire les bouteilles. Et où le camion? Oh non. Et où le camion? Oh non, il s'est barré. Il s'est barré, Fab. Conduis vite. Merde. C'est bon, j'ai réussi à le convaincre, il revient. Il se rend pas compte. Il a paniqué, il fait un burn-out, tu sais, comme toi un peu. Yeah, tout, c'est l'heure du burn-out, ouais, c'est le burn-out, yeah, tout. J'ai compris un petit peu, ça rentre dans leur petite tête. Ouais, un jour tous les numéros 2 seront les Uno. Uno, y'était tout, les burn-out. Big, ouais. Tu peux t'engager comme ça chez Montasac et Torres. Mais tu veux t'aider, il vient de t'aider. Ok, je t'engage. On est d'accord que le contrat, c'est juste le temps de faire ce qu'on a à faire ici, hein. On est d'accord, hein. Mais bien sûr qu'il ne veut pas utiliser le fait d'être un employé de chez Montasac pour rester employé par la suite et utiliser les camions de la société afin de transporter les cocaïnes. Ce serait complètement con d'avoir... Ce serait complètement abusé d'avoir ça. Ça trahirait ta confiance, oui, ça trahirait notre amour et notre amitié, si. Ça me semble complètement incongru de faire ça et je te fais confiance, c'est pour ça que je te recrute. Donna domine Fab, mais il domine le domaine. Ça a pas gros. Non, je comprends pas tout ce que je dis tout le temps. On peut pas dominer mille fois. Non, on peut pas. Mais on peut diminuer mille fois une personne. On ne peut pas ne pas tromper. On peut pas tromper. On peut tromper. Ah, non, c'est pas... On ne peut pas tromper. Non, on peut pas tromper mille personnes. Mais... Il faut pas faire avec n'importe qui. Attends, n'importe quoi, mais surtout pas n'importe quand. Quand nous on te file 500 balles, nous on en sort 1500, Miguel, tu comprends bien ça. On peut pas comme ça garder des employés dans la boîte comme ça. Hein? Ah oui, ça coûte cher. Bah... Oui, ça coûte extrêmement cher, merci Ellie de le confirmer. Bah, Miguel. Mais il te coûte cher, moi il est tête, tu me parles rien. Moi il est tête de l'amitié, tu me dis il te coûte 1500 balles. Il te donne 1500 balles. Madame, excusez-moi. Tu es très méchant. Attendez, elle va appeler la police, elle a pris une photo. Doucement. Il faut qu'on bouge, Roy. Il faut qu'on bouge. Miguel. Non. Il faut qu'on bouge, Roy, on bouge. Mais gros, au lieu de faire du rap, fais des imitations. Bah, je suis capable de faire des imitations tout en rappant, tu vois. Par exemple, je peux faire... Je suis Donna de Montazac, s'il te plaît, ne me touche pas. Ça fait 3 fois qu'on m'arrête en 2 jours, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais te tuer, le burn-out va commencer d'ici quelques instants. J'essaye de convaincre Fable, c'était mon enfant, c'est mon ami depuis longtemps. Mais y'a Donna qui m'a dit que j'étais son meilleur ami, du coup moi je suis perdu, oh oui. On n'a jamais voulu faire de live IRL avec lui et tout, parce que ça le dérange un peu. Oh non, je suis mort de soif.